Les chiffres médiamétrés pour la période de septembre 2015-2016 viennent d'être dévoilés et cette année, la radio locale la plus écoutée à Carcassonne est Chéri FM. L'antenne a repris sa place de leader sur la ville en doublant son audimat, la plus forte progression de son histoire en moins d'un an. Chaque jour, près de 30 000 auditeurs réguliers se branchent sur le 99.6 pour retrouver jeux, journaux d'information et chroniques aux accents locaux. Un pari de la proximité cher à son repreneur Lucien Ferrandis. Lorsqu'on est arrivé sur cette radio, on l'a trouvé dans une situation un peu délicate à tous les niveaux. Et ce succès n'est pas dû à notre arrivée. Il est dû au travail de l'équipe qui est arrivée au même temps que moi, qui a su se rendre sur le terrain, qui a su organiser un certain nombre de jeux, qui a su avoir l'écoute de la population locale, puisque sur Carcassonne, on est passé premier. Effectivement, si Chéri FM redevient la première radio à Carcassonne, la station se place en seconde position dans le département. Une place que Lucien Ferrandis espère voir évoluer dans un avenir très proche. Peut-être qu'on élargisse nos capacités aux alentours de Carcassonne et qu'on aille plus loin vers Castelnaudary, qu'on soit aussi bon à Castelnaudary, qu'on essaye d'approcher Narbonne du plus possible et du mieux possible, ce qui représente aussi un travail qu'il va falloir faire sur le terrain et qu'on est prêt à faire. Réponse dans un an.